deux grands changements si la loi est votée cet après-midi. D'abord, sur les parrainages, il en faudra toujours 500 pour se présenter à une élection présidentielle, mais en revanche, bien dorénavant, ces 500 parrainages d'élus seront rendus publics par le Conseil constitutionnel tous les 15 jours, qui en établira une liste. Jusque-là, on protestait contre l'opacité, et bien dorénavant, ce sera transparent. Les petits candidats, eux, disent « Attention, nous n'aurons pas les élus nécessaires, ils ne voudront pas sortir du bois, le Front National en particulier craint de ne pouvoir les obtenir. » Ça, c'est la première récrimination des petits candidats. Seconde récrimination des petits candidats, entre guillemets, eh bien, c'est le problème du temps de parole. Il est vrai que l'égalité ne va plus prévaloir, c'est l'équité qui va être la règle dorénavant avant la campagne officielle, ce sera en fonction de la popularité des candidats. Alors, ça, c'est le grand reproche qui est fait. Est-ce que ça va verrouiller la démocratie? Est-ce que le gouvernement, le pouvoir est en train de vouloir instrumentaliser le temps de parole pour bloquer le débat? Très franchement, c'est un faux procès qu'on lui fait. Cette réclamation, cette récrimination a longtemps été faite par les petits candidats, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la démocratie s'exerce aussi sur les réseaux sociaux et qu'avoir un temps de parole avant la campagne officielle n'est pas forcément ce qui permet un sésame pour entrer dans la cour des grands. Il y a beaucoup de réseaux sociaux et ça permettra aussi d'exister. Puis il y aura toujours la campagne officielle 15 jours avant. Ça ne change pas. Les petits candidats comme les grands candidats, entre guillemets, eh ben, pourront exister. Alors nous verrons si cette loi passe. Mais en tous les cas, on intente un faux procès en estimant que la démocratie serait verrouillée avec ces deux changements. D'un côté, on aura une transparence sur les parrainages qui a longtemps été réclamée et puis un temps de parole beaucoup plus équitable, ce qui va rendre le débat toujours aussi vivant et on compte sur les candidats pour bien exister dans les médias. Quel que soit ce temps de parole, ils auront les moyens nécessaires avec les réseaux sociaux.